l'application doit être réalisée de manière aléatoire tout en tirant la matière pour éviter de créer un effet pommelé ou peau d'orange. Laissez sécher 12 heures. Appliquez la sous-couche en une seule fois sans vous interrompre dans votre travail. À l'aide de la brosse à riche empire, appliquez la sous-couche dans les angles du mur, au niveau des plafonds, au-dessus des plinthes et autour des huisseries et des interrupteurs. Chargez ensuite le grand rouleau de manière uniforme. La dépose de la sous-couche doit être la plus régulière possible pour éviter les surépaisseurs qui pourraient ensuite apparaître sur le résultat final. Commencez en haut à droite si vous êtes droitier et en haut à gauche si vous êtes gaucher. Afin de créer des lignes brisées et éviter les lignes droites, nous vous recommandons de tourner le rouleau de manière à avoir la monture en métal à droite si vous êtes droitier et inversement si vous êtes gaucher. L'application de la première couche de chaux doit être réalisée d'un seul tenant. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Utilisez un mini-rouleau avec des microfibres d'une épaisseur de 12 mm propre et sec. Travaillez de pair avec un mini-platoir à bord arrondi, impérativement en inox, pour éviter les traces d'oxydation sur les teintes claires. Passez votre main sur le mur pour vous assurer qu'il n'y a pas de gratons ni d'aspérité. S'il y en a, servez-vous du platoir pour venir les araser. Voici la décomposition du mouvement réalisé avec le platoir après avoir déposé la chaux au rouleau. Le poignet se casse pour redescendre en croisant. À l'aide de la brosse à riche empire, appliquez la peinture à la chaux dans les angles du mur, au niveau des plafonds, au-dessus des plinthes et autour des huisseries et des interrupteurs. Pour plus d'efficacité, vous pouvez prendre un outil dans chaque main. Utilisez la tranche arrondie du platoir en veillant à ne jamais le poser à plat sur le mur pour ne pas décoller la matière. Démarrez le mouvement en partant du bas, dans une zone sèche, et lissez dans la chaux fraîche. Une fois arrivé dans une nouvelle partie sèche, tournez votre poignet et redescendez vers le sec. Avec le mini-rouleau, déposez ensuite de la matière sur le raccord qui a commencé à sécher. Et lissez cette surépaisseur en partant du sec et en allant vers le sec. Le geste est toujours croisé, souple et arrondi. L'excédent de chaux qui reste sur la lame s'écrase en fin de geste sur le sec, ce qui permet de toujours travailler avec une lame relativement propre. La lame du platoir doit être toujours propre. Essuyez-la très régulièrement avec un linge humide pour enlever la matière restée collée et qui commence à sécher, car elle pourrait laisser des traces et accélérer le séchage de la chaux. Dans le frais, utilisez le mini-platoir inox pour lisser le côté grumeleux laissé par le rouleau. Pour appliquer la chaux au niveau des raccords entre le haut du mur et le plafond, déposez à l'aide du mini-rouleau la matière à 1 cm du bord. Lissez ensuite avec le platoir, avec le produit restant ou récupéré sur ce dernier. Venez combler le manque en partant du ras du plafond ou du creux des angles. La ligne droite du platoir vous permettra de réaliser une ligne nette et sans surépaisseur. Répétez cette opération au niveau des extrémités des murs, des portes et des plinthes. Utilisez de nouveau le mini-rouleau et le platoir, en veillant à ce qu'il soit bien propre et sec. Si besoin, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour terminer le séchage du rouleau. Après avoir bien remué le pot, versez tout ce qui reste de peinture à la chaux dans le seau. Évaluez, grâce à la graduation sur le côté, la quantité de chaux et rajoutez 10% d'eau.
Passez votre main sur le mur pour vous assurer qu'il n'y a pas de gratons ni d'aspérités. S'il y en a, servez-vous du platoir pour venir les araser. Nous vous conseillons de réchampir au fur et à mesure de l'avancement. L'application de la deuxième couche de chaux doit être réalisée d'un seul tenon. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Avec le mini-rouleau, déposez la matière de façon aléatoire sur environ 20 cm². Venez ensuite lisser la chaux dans le frais, à l'aide du platoir en inox, avec un mouvement léger, souple et arrondi. Déposez des petites surfaces, puis avec l'arrondi de la lame du platoir, venez lisser dans le frais. Pour appliquer la chaux au niveau des raccords entre le haut du mur et le plafond, déposez au mini-rouleau la matière à 1 cm du bord. Lissez ensuite avec le platoir, puis avec le produit restant sur ce dernier, venez combler le manque en partant du ras du plafond. La lame du platoir doit être toujours propre. Essuyez-la très régulièrement avec un linge humide pour enlever la matière restée collée, car elle pourrait laisser des traces et accélérer le séchage de la chaux. Contrôlez régulièrement le séchage du mur pour le ferrer au bon moment. Vous pouvez constater que la chaux commence à se nuancer. Les parties sombres représentent la chaux encore fraîche, alors que les parties claires sont celles qui ont commencé à sécher et sur lesquelles il faut débuter le ferrage. Peu importe où vous commencez à ferrer sur le mur. L'important est de cristalliser les endroits prêts à l'être, c'est-à-dire où la chaux a matifié et où elle ne transpire plus du tout en surface. Pour ferrer la chaux, utilisez le bord arrondi de la lame comme le souligne la vidéo. Travaillez toujours en diagonale avec un geste arrondi, dans un rythme régulier pour écraser la matière et la faire cristalliser en surface. Un ou deux passages suffisent. Enlevez les rubans adhésifs de masquage. Si vous constatez des manques, réalisez les retouches à l'aide d'un petit pot testeur ressource dans la même teinte que votre mur ainsi qu'un petit pinceau. N'utilisez jamais la chaux qui laisserait des traces blanches pour réaliser les retouches. Seule notre finition mate poudrée ne laissera pas de traces. Cette étape est facultative, mais vous permettra de protéger votre chaux des diverses taches et projections d'eau. Utilisez à nouveau le mini-rouleau et le platoir en veillant à ce qu'il soit bien propre et sec. Remuez bien le pot de cire hydrodiluable avant de l'ouvrir. Commencez en bas à droite si vous êtes droitier et en bas à gauche si vous êtes gaucher. Commencez au ras de la plinthe avec votre platoir et tirez la cire vers le sec. Redéposez l'excédent de la lame au milieu de ce que vous avez déposé, puis recommencez à l'étirer vers le sec. Repartez toujours d'un endroit ciré quand vous redéposez la cire. Passez ensuite dans la cire fraîche et finissez votre geste dans une zone encore sèche. La matière accumulée sous la lame du platoir sera déposée sur le mur et la lame restera toujours propre. Laissez sécher 12 heures à bonne température et sans courant d'air.